Le 20 septembre prochain, le chef conservateur Erin O'Toole espère devenir le 24e premier ministre du Canada, 6 ans après la défaite de Stephen Harper contre Justin Trudeau. S'il réussit son pari, le passage des conservateurs sur les banquettes d'opposition aura été l'un des plus courts de leur histoire. Au pouvoir pendant les 3 décennies qui ont suivi la Confédération, ce sont les conservateurs de Johnny Macdonald qui ont jeté les bases du Canada moderne. Aujourd'hui, l'héritage du premier ministre du Canada a été assombri par son rôle dans la création des pensionnats autochtones. Mais au 19e siècle, Macdonald était hyper populaire, assez pour être réélu 6 fois. C'est quand il meurt, en 1891, quelques mois à peine après sa réélection, que les déboires du Parti conservateur commencent. Les 2 chefs qui lui succèdent meurent en service, tandis que le 3e est poussé vers la sortie par son caucus. Après ce mandat désastreux, les conservateurs vont mettre des années à se rebâtir. Dans les années 40, le parti va tenter de se réinventer en adoptant un nouveau nom, le Parti progressiste conservateur. Mais une nouvelle image, c'est pas suffisant pour chasser les démons du parti. Les longues périodes dans l'opposition donnent lieu à d'importants conflits au sein du parti, et les chefs se succèdent jusqu'à l'élection de Brian Mulroney en 1983. Mulroney remporte l'année suivante l'élection avec la plus grande majorité de l'histoire. Je n'oublierai jamais l'accueil extraordinaire que vous m'avez réservé à un moment où tant de choses dépendaient de votre appui. Mais l'usure du pouvoir se fait sentir au cours de son 2e mandat. Après l'échec des accords du Lac Meech et de Charlottetown, sa popularité est en chute libre. Il annonce sa démission le 24 février 1993. C'est Kim Campbell qui lui succédera à la tête du Parti progressiste conservateur et donc comme première ministre. Si elle est encore aujourd'hui la seule femme à avoir porté ce titre, son mandat de 132 jours est aussi l'un des plus courts de l'histoire du pays. Elle a aussi mené son parti vers la pire défaite de son histoire, les progressistes conservateurs ne remportant que 2 sièges à l'élection de 1993. Cette défaite-là va toutefois donner son essor au Parti réformiste, fondé quelques années plus tôt par Preston Manning pour représenter les intérêts de l'Ouest canadien. Sauf qu'un peu comme le Bloc québécois, le Parti réformiste n'a jamais vraiment eu de chance de former le gouvernement à cause de son caractère régional. Malgré tout, les succès du parti vont faire germer une idée chez certains conservateurs. Unir toute la droite du pays sous une même bannière, en créant l'Alliance canadienne. Ce processus-là va aboutir en 2003, avec la fusion de l'Alliance canadienne et du Parti progressiste conservateur. La coalition conservatrice va reprendre le nom de Parti conservateur du Canada. Le premier chef de ce nouveau parti, Stephen Harper, restera en poste pendant 11 ans, dont 10 comme premier ministre. Thank you. Merci beaucoup. God bless Canada. Son successeur, Andrew Scheer, n'aura pas la même chance. Il brigue en vain le poste de premier ministre en 2019 avant de démissionner. Un sort que le nouveau chef Erin O'Toole espère bien s'éviter.